DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Vous avez suivi, comme tout le monde, à travers les réseaux sociaux, une vidéo largement médiatisée de la maman de Deo Kanda, un de nos joueurs, qui contient plusieurs éléments. Je voudrais d'abord me focaliser sur le plan sportif. À travers la vidéo, j'ai appris que Deo Kanda demandait sa libération du TP Mazembe pour aller ailleurs. Et ce qui nous a surpris, c'est le fait que cette libération n'est pas demandé par le joueur, mais demandé par sa mère. Jusqu'à présent, le TP Mazembe n'a reçu aucune demande de libération du joueur Deo Kanda. Au cas où il demandait, on va étudier cette possibilité. Ça fait partie du deal. Donc il y a plusieurs façons de terminer le contrat. Et en plus, j'ai appris à travers les déclarations de la maman que Deo Kanda avait un contrat signé en 2015 et qui se termine en 2021. Je crois qu'aujourd'hui, je peux vous donner l'exemple du contrat de Deo Kanda qui est enregistré à la Fédération Congolaise de Football. Donc une copie se trouve là-bas. Et ce contrat a été signé le 16 décembre 2016 et non pas 2015. Et coïncidence de calendrier, c'est signé par feu président Mohamed Kamouania, dont nous nous rappelons aujourd'hui, premier anniversaire depuis qu'il nous a quittés. Donc, en sa mémoire, on doit respecter quand même un document qu'il nous a laissé pour le bien du club. Qu'il est parti à l'équipe de Simba pour une période d'une saison. Le prêt était gratuit alors que Simba a offert 10 000 dollars pour son transfert et qu'à la fin de ce prêt, on pouvait négocier si Simba avait encore besoin du joueur. Ça s'est arrêté là, il a joué tout. À la fin de la saison, l'équipe de Simba est revenue à nous pour nous demander maintenant, comme c'était prévu, soit une autre saison en prêt, soit alors un transfert. Encore une fois, on a demandé à Simba de nous faire une proposition. Simba nous a fait une proposition de transfert de 20 000 dollars. Et en notre réponse, Mazembe lui a demandé de monter à 50 000. Et dans l'entretemps, Simba nous fait comprendre qu'il veut prendre le joueur, puisqu'il doit être reconnaissant envers l'équipe de Mazembe qui lui a donné les joueurs gratuitement, mais il ne doit plus le libérer, il veut le prendre, mais il ne saura pas le garder, puisque compte tenu de certains facteurs, l'âge, la concurrence, ainsi de suite, il va le mettre dans un club qui s'appelle Namungo Football Club, une équipe de Tanzanie. Et que par le fait qu'ils avaient recruté un Ghanéen au nom de Morrison, qui venait de Young Africa, et puis ils ont eu le Zambien Boalia et le Congolais Mugalu qui avaient joué dans le Popo ici. Et qu'enfin ils ont pris un défenseur kenyan. Donc ces nouveaux joueurs ont complété le nombre de 4 places qui leur étaient autorisées pour prendre les étrangers. C'est pour cette raison qu'ils ont dit à Deo qu'ils pouvaient aller à l'équipe de Namungo et qu'eux allaient discuter avec nous pour avoir le transfert de Deo. Deo a refusé cette proposition de Simba et il est rentré à Kinshasa. Arrivé à Kinshasa,
il nous a appelé pour demander quelle était sa situation. Il a dit, bon, de toutes les façons, c'est Simba, voilà ce que Simba nous a écrit. C'est à toi de négocier avec Simba et de nous donner la dernière décision pour que nous puissions compléter les choses. Voilà là où on s'est arrêté jusqu'à ce que la vidéo puisse paraître. Ça, c'est un, donc ça c'est sur le plan sportif. Bon, sur le plan de cette vidéo, il y a quand même des choses qu'on ne peut pas accepter. Et en professionnel que vous êtes, je comprends que la maman des vidéos a été tout simplement abusée. Parce que même quand on lui pose des questions, on lui suggère des réponses. Et ces amputations très dommageables mériteraient bien une réparation. Nous, on va aller en justice contre une dame qui, de surcroît, est la mère d'un joueur. On n'a pas intérêt. On n'a pas intérêt de le faire. Et honte à ceux qui l'ont dit. Et dans cette vidéo, la maman dit que son fils a signé un contrat depuis 2015 et ça s'est terminé en 2020. Je viens de vous démontrer que c'est encore une aberration parce que la maman a été induite en erreur. Entre le 16 décembre 2016 et 2015, il y a déjà une année de différence. Et que d'après, vous venez que les autres viennent de signer les contrats et tout, d'après ces contrats, je peux prendre n'importe des contrats. À l'article 9, là je prends le contrat de Mustapha Kouyaté. Voilà. L'article 9 parlait de prêt. Dans l'hypothèse où les joueurs seraient prêtés vers un club étranger, le présent contrat sera également suspendu pendant la durée du prêt. Et la durée du présent contrat établi à l'article 2 sera automatiquement prolongée à concurrence de la durée du prêt. Ce que le joueur accepte expressément par la signature du présent contrat. Donc, c'est tout à fait normal que quand on vous met en prêt et que Mazembe ne reçoit rien, c'est pour vous donner le temps de jeu, améliorer vos performances et aller de l'avant. Ça, c'est une chose. L'autre chose, j'ai appris que M. Deo Kanda, sur son salaire, il ne recevait que 30% et que M. Kitenge, qui vous parle, empochait 70% du salaire de Deo Kanda. Vous savez, il faut que nos joueurs soient responsables. Si vous n'êtes pas capable de dire à votre famille ce que vous touchez, il ne faut pas mentir sur les autres parce que sur ce point, une plainte vient d'aller à la FECOFA pour que M. Deo Kanda, parce que s'il perd 70% de son salaire, c'est son dû. Il ne peut quand même pas laisser l'argent et se volatiliser dans la nature. Mais si ce n'est pas le cas, il doit se rendre et tous les autres joueurs doivent savoir que ce n'est pas de cette façon qu'il faut mentir. Bandeko Balandi à DMTV, j'espère que ce sujet où écoute Abino na nzoto makasi nzoto kolongo no tolingi lisusu ko ya na réflexion moko concernant kaka makambo izali ko leka na mboka na biso makambo mingi ya sport parce que biso sala ka ba réflexion na biso mingi na makambo ya matali sport congolais football congolais notamment le lot de bino sur sujet asika. Et le sujet mon quoi ils allent un peu moins buzz hein, sur les réseaux sociaux. Ils allent Moussani na combo ya Deo Kanga Amoukok, ancien joueur ya Dering Club Moté à Pembe, Vita Club avec une équipe Pembe les tout puissants Mazembe, Baraja de Casablanca Bima même vice champion du monde avec formation on a Raja de Casablanca bah pour ça qu'a équipé ya Ronaldinho contre une demi finale ya Coupe du Monde des clubs on a Boye Bikaka. Alors les lots y est bien ma solo ya Deo Kanga Amoukok Oyo azali ko cracher dans la soupe ni balombaka azali ko bibisa ma vérité nyoso e bon mama na dernier passage ni na tout puissant Mazembe pendant que le chairman Moïse Katumbi Chapwe azaki na exil boyi kaka na ndenge ba kosela kayi ba makambo moko kalingi wa provoquer ce qui asa la coup d'état bo na boyi ba provoquer ki tindenge pe akimaki na mboka mopaya et ensuite tant on ngaki azonga avant ba élection ba empêcha qu'il y ait un zonga na mboka
Donc voilà, Deokanda a profité donc à la zone de la sauce, Mama Kamomalikaki, Natangwana Izalaki, contraint à Ezaki respecté. Donc avant d'en compter en profondeur, il y a ce jeu où Totikinanou Yemon, Deokanda Amukog, avec les solos, Mama Kamala Izalaki Ndengemini, et puis Nani Pazali Azaki responsable en absence de Moïse Katumbi. On a marqué mon nom sur ma respect, ma contrat, bon fonctionnement, l'équipe, il y a tout puissant, ma zimbé anglais. Bon, là, on a ensuite tout cousu pour tout conclure le solo. Côté lettre, et tout, que non, fédération, pas mais qu'à moi, côté à moi, attente entre clubs, n'a joué. Mais j'étais choqué, comment on a dit non, un dirigeant, il y a la fédération, à Zoban, à voir même. Donc un cadre, hein, donc au cadre, il y a fédération, bon, je ne peux pas citer son nom. Azobanga Rubenga, membre, il y a club. Donc j'étais choqué. Est-ce qu'à mon avis vraiment que non, football Nabiso, football congolais, Zamba Souma. Mais que non, bah, dirigeant de la fédération, bah, Zama B, non. Mais le problème, c'est que non, bah, quoi, ça, il y a un métier trop. Non, bah, dirigeant un club. Je pense qu'il y a une cause à l'une des causes. Ou peso peso et ça que notre football là so, et avancé t'es. Donc bon c'est la sou vraiment ba loi t'es. Bon c'est la sou vraiment ba loi t'es. Donc la kenda na zala choqué na ko tsara ni noana ba lettre na ngagnon so et tout par rapport que non ba prime signature ba droit signature na nga na zwa kati donc ba mauvais souvenir ce qu'on a fait à club ils ala que non par rapport que au moins on a osé informer. Vous êtes en pleine forme. Mais, au moins, le dirigeant a dit ah, tellement au réclamé pour ma signature, mais pas bête, ça y est, ils ont dit. Donc, on dit, on a dit, ah, non, on a dit, 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 mais je précise bien, mon bon, ce vendeur s'est passé tant que le président Moïse a été en exil. Je suis très heureux de voir dans le club de TP Mazembe. Parce que le dirigeant de Zahaki, le dirigeant de Abandé Kossala, il m'a demandé de coordonner ma réunion. Donc, pour ma signature, il y a 50 000 $. Hein. 50 000 $ pour que nous ayons le manager de Mazembe. Après, il y a un mot. Et puis, il s'est retrouvé dans la fédération. Abimi si contrat mon ko ezaki wana falsifié. Imaginez-vous que non moto signé contrat aux années 2015. Mais abimi si contrat qui non au signé na décembre 2016. Comment se fait-il au beta au beti final ya confédération. Au beti final ya confédération na novembre 2016 après aller au signé contrat na décembre 2016. Donc exactement vraiment ba montage mon boy. Hein? Voilà, tout ça des retours bon lundi et c'est comme ça la passe pe vraiment et pe ma na miso pour na comment le mon sami encore de okanga mbongo ya moto ki moto et c'est comme mon ya moto ki nai. Ma promesse yo pe ça na ba contrat il faut ils la respecter pour mboka na musique ndeli mboso. Dernièrement tout ça qui mon si j'aime encore concernant kaka ba mbongo yo ndenge kutu nani ancien joueur manager ya Vita Club ancien joueur et puis voilà comment qui pe manager ya Vita Club nani Yves Di Bailonga oh le loco mi entraîneur ya blessing bolanda ki ndike Yves Di Bailonga azali ko réclamer pe ba mbongo na ye ya rupture de contrat na Vita Club ba rupture de contrat moko abusif ti na niveau ke a pese ki mitindo na aba avocat na ye o ba kuti se ki plainte na niveau ya TAS pour le tribunal arbitral de sport et TASPE et notifié que on a fait quoi que non Moutou Songolo a porté plainte pour na ba mbongo na ye futa mate. Donc le mboka na biso komo ko mboka mongo ya ba gangster et c'est que makamukara mouke mouke to fondi na TAS ti TAS soni ko ya ko lemba ti ba ko fiché biso ti ba ko sala acte mongo boye mo na ke FIFA et j'ai dit et ko tia biso sous tout est-ce que ton ali pensa indépendant sur tout toujours 1960 est-ce que na ba niveau nyo so indépendant son ezali ou toujours dépendre toujours que autorité mon ko boye soit TAS soit FIFA soit CAF et
Toujours des falsifications, bah faire y a 4 dates de naissance, et j'enseigne bien, toujours des falsifications. Donc, tu as sauté, on t'a qui signé quand, et bah détail, bah contrat, et ça qui n'a ni fini. Tout ce qui va la terre, toujours même, sauté le bégan, à mois d'août, au caca, juillet, août, pour mon appel, entraîneur à DCMP, ancien entraîneur à DCMP, nani, Isaac Ngata, y a pas pour qui plein, sauf que, ma solo les gars qui n'ont pas n'engue moraka y a palabre africaine tout solo libiso na biso boye tout ça les arrangements à l'amiable puis le loyer de nani Isaac Ngatango coach y a Congo Brazza Azali Sikoyo directeur technique de l'équipe y a Simba FC Oyo y a Kolwezi. Donc vous voyez que na football na biso ba équipe nous sommes en moraka grande équipe car na maloba grand club car na maloba mais dans la pratique oui bah ça lui concerne la même pratique que bah équipe amique amique tant au début quand les choses sont lobbyées on dirait que bah dirigeant habitué il y a bah fait quoi faire ouais il y a bah dit na foot bah ça la car bah comment bah master communauté cercle d'amis moko na bah dirigeant bah club toujours comme on peut le sou on est à dossier mon tout petit à part toujours comme on peut le sou que bah représentant bah club na biso na niveau et amine et bah il a foutu en avant ni basali bah président bah club bah deuxième division bah Dima Fouta bah Max Moké bah club le moment bah MK est en jeté bah Dibumba bah comment bah président bah qui bah Miké bah comment Konza bah président bah grand club pourquoi pas ils arrivent bah dirigeant bah grand club bah Vita bah DCMP bah Bouenaboy c'est des choses que toujours comprendre que dans mon cas et ceux qui ont été comment ceux qui montent comme président équipe aient un entraîneur pour signer contrat na combo équipe et ensuite tant au montant où c'est quoi longwa comme président entraîneur peut pas bengagner entraîneur peut pas se foutre aite ou monta ben ça qui est wana mais asa qui au foutre aite na mongo ya yé ya poche ou bien ça qui mongo à club est-ce que ma club na biso ils arrangent qu'à ma poche ya bato voilà les grands problèmes qu'on traverse et heureusement pour tout que tout comme nous on a niveau tel que Deo quand la porte peut-être na tâche on a parce que tout le monde est dans la même situation que Netua Yves Diba asa qui a réclamé $50,000 na yé et ça lui mongo et belé $50,000 il y a prime à la signature. Ceux qui ont eu le prime à la signature, joueur à footer, toi bien ta bien, toi, ce qui n'est ni. C'est 50 000 loin, il faut beaucoup que ça y est, Yango. Vous avez mis tout dans le sous tant que vous avez eu 70% de salaire, on a l'absence de Moïse Katoumbi. Bon, on est en approche à peut-être que Katoumbi a eu que non, bon, on est bien mis, on a fait un joueur. Mais le joueur, selon Maloba de Okanda, bon, on se fout à mater, c'est que tout le monde a eu un bon Wana. Muta ona ni atangi kombote me biso tuzo iba kesali kitenge kikumba ye muta azali manager ya matopisa mazembe kusala ba jwe ba ko wana ibandi le lote ba entraîneur ba ni to yoka muta na zaka très orgueilleux. Donc voilà un peu réflexion tonga to ya na ngolelo concernant dossier ya Deo Kanda ancien joueur ça salé biso plaisir rebelé na derin que monté ma pemi na vita club le gars c'est un garçon calme bon alors qu'on a été ce qui vraiment cette fois-ci il sort d'ici mais c'est trop il fallait vraiment à réagir pour ma camarade continuer de m'enlacer ce qui vous c'est pris ma réflexion au yo vous partagez un mot maximum déjà je crois qu'il est pas venu dans mes réseaux sociaux pour activer la petite cloche des notifications pour vous rater tes prochaines vidéos de retient en ligne. Et puis, au Azali, on a abonné à la DMTV. Le moment est fini, on s'abonne à la DMTV parce que tout ça, ma grand-mère solo pour Ezoya de Soussou. Quand on a moins douteux parce que Bobo Sanaté va Léopard, le loco, Robeta contre Tchad, content pour l'éliminatoire, il y a Chan, Wana, Robeta en Algérie justement. Donc voilà, tout ça, il y a un événement, il y a un toujours en 2022, on a moins douteux en 2022. Boutique à Malam. Il est comme le banal et